Le monde du sonore est affaire de temps. Un temps qui peut être sculpté. Un temps qui se laisse faire, se laisse lisser, strier, ponctuer, ralentir ou accélérer. Le silence aussi est un temps qui s'écoule. Un temps dans lequel rien et tout se passe. Composer à un disque de musique, c'est cela, jouer et écrire le temps. Mon prochain album est terminé. Le temps d'écriture fut long et court, à la fois 4 ans. Au final, j'ai beaucoup écrit, je me suis laissé inspirer. J'ai laissé couler le temps pour comprendre sa forme, son parcours et ce qu'il voulait raconter. J'ai expérimenté de nouvelles formes d'écriture et de narration, mais aussi de nouveaux états de concentration et d'écoute. Des livres précieux m'ont accompagné durant cette traversée. Les livres sont des compagnons de voyages immobiles qui ouvrent les yeux et le cœur. Les pages bruissent et la poésie ouvre le corps au rythme. Les mots coulent et arriment des images aux paupières. Ces images qui font sensiblement advenir des sons. Des images qui sont des guides quand on ferme les yeux. Le disque est terminé. Il est une trame de 45 minutes qui traverse sans discontinuer un monde fait de rêves, de visions, de textures et de sensations.